Mais non, t'es pas une vieille chaussette. Mais non, arrête. Bon, d'accord. T'es une vieille chaussette. Mais donc, t'as juste pas trouvé chaussure à ton pied. Tim, t'as pas fait la peine. Vas-y, prends un doliprane, arrête de casser les couilles. Bon, écoute, je finis dans un quart d'heure. T'as qu'à passer chez moi, ok? Allez, on fait comme ça. Tu fais attention sur la route, hein? Pleurer ou conduire, faut choisir. Bisous, Son mec? bisous. Ouais. Quoi, c'est encore fait larguer? Comment ça encore? Bah, ça fait quoi? 3 fois en 1 an qu'ils se séparent? Non, avec aujourd'hui, ça fait 4. Oh, mais la pauvre! Mais c'est horrible! Mais non, c'est normal. Moi, je pense que c'est une sorte de jeu sexuel bizarre entre eux. Mais comment ça? Tu veux vraiment pas savoir. Bon, vous êtes pas censé être en colle, vous? Ouais, d'ailleurs, allez, mettez-vous au travail. Vas-y là, c'est bon. Déjà, vous nous collez un mercredi après-midi. Vous avez pas honte? Chut, dis-toi. Tu apprendras à faire du trafic de crayons 4 couleurs. Tu veux sur quoi là? Bah, je voulais t'en parler justement. Pour toi, ce serait quoi tes funérailles idéales? Quoi? Bah, je réfléchissais à ce que serait mon enterrement. Tu vois? Pas vraiment. Par définition, quand t'es mort, tu peux plus rien dire. Oui, et donc? Tu trouves pas que c'est dommage que ce soit les autres qui décident de comment faire tes adieux? Imagine, tu meurs demain. Et c'est tes parents qui décident de comment t'enterrer. Tu sais, enterrement basique, église, terre. Alors, je sais pas, t'aurais préféré te faire incinérer, larguer dans l'océan. Un truc plus écologique. Ouais, enfin, t'es mort, donc tu t'en fous. Ben non, justement. La vie, c'est un peu comme une histoire, dans un roman ou dans un film, avec un début, un milieu, une fin. Et c'est dommage de gâcher sa sortie, non? Si tu le dis. J'avoue, c'est pas con. Tu vois? Tim a toujours raison. Et donc tout ça pour me dire que t'as une maladie incurable, que tu vas bientôt mourir et que c'est à moi de gérer tes obsèques. Oh non, Tim, tu vas pas nous quitter. Ouais, trop bien, comme ça j'irai plus en colle. Hé, travaille, toi. Mais non, non, rassurez-vous. Je serai toujours là pour me faire chier avec vous le mercredi après-midi. Et de toute façon, Tim est immortel. Mais juste au cas où, j'ai tout prévu pour mes funérailles. Ben voyons. En vrai, j'ai 2-3 idées sympas. Du genre. Façon chef viking. Extérieur plage. Moi, sur un radeau, avec toutes mes possessions, plan sur un archer. Flèche enflammée. Magique. N'importe quoi. Et le tout. Sur le son du biniou, ce serait vachement classe, non? Ouais, enfin, le biniou, c'est pas très viking, hein. Sérieux. En vrai, c'est stylé. Bon, vas-y, fais-le. Bah arrête, t'es pas sérieux. Et puis, pas sûr que ce soit très légal ton histoire là. Mais si, c'est une grave bonne idée. Et en plus, on fait la teuf après. Ouais, du coup, tant que t'y es, tu finisses des gens invités et à ne pas invités aussi. Bah non, c'est ouvert à tous. Mais par contre, y a un dress code. Ça m'aurait étonné. Genre, tout le monde en rose. J'aime le rose. Ouais, on n'a pas remarqué. En même temps, toi, avec tes 25 polos roses, tu peux te porter comme ça en enterrement. Ça, j'avoue. Par contre, les enterrements, ça peut être plus gai. Moi, par exemple, je veux qu'au mien, tout le monde soit heureux. Je veux qu'on se souvienne de moi comme j'étais. Je veux pas que ça finisse en note triste. Oui, c'est bon, abusez pas. Un enterrement, c'est forcément triste. Pense un peu à tes proches, non? Ouais, un enterrement, tu te fais pas chier, c'est pas un vrai enterrement. Hein. C'est vrai. Normalement, c'est église, Bible, discours nul. Rebible. Mais non, c'est trop triste en vrai. Faut qu'il y ait la musique. Faut que ce soit joyeux. Toi, Quentin, t'as pas un groupe de musique? Tu voudrais pas qu'il vienne jouer pour toi? Non, non, pas sa musique de sauvage là. Faut mettre du rap. Du rap. Bah quoi? Toi, tu mets du rap à mon enterrement, tu sors de mon cercueil, je te fais bouffer tes baskets. T'as un problème avec le rap? Non, c'est de la merde, c'est tout. Mais je t'ai dit quoi là? Ça en fout lui. Calme-toi. Mais par contre, c'est vraiment sérieux mon truc. Vas-y Tim, promis on fera ça. Non, tu vois, moi le seul truc, c'est que c'est super cher de mourir. Genre, moi, tu me construis un cercueil vite fait, en contreplaqué, puis basta quoi. Ça peut se faire. Ah ouais, j'avoue, comme ça on peut faire des dédicaces dessus. Ah ouais, comme sur les plâtres. Non, le seul détail que j'ai oublié, c'est l'épitaphe. J'ai pas d'idée. Et toi, t'en penses quoi? Bah maintenant que j'y pense, je dirais que je m'en bats les couilles de l'épitaphe. Logique. Bonne idée. Je
Je t'ai vu pourquoi moi déjà? Ah, y'a Tim, il a pas fait la peine. T'aurais pas pu le faire? Je sais pas le faire. Putain, c'est toi qui m'as appris à le faire, sérieux? Bah, je sais plus. Bon, on peut y aller ou. Oui, allez-y. Et mettez les chaises sur les tables. Vas-y, bah au revoir, Tim. Oublie pas les invités pour l'enterrement, hein. Moi, j'en ai pas. Ouais, bon week-end à toi aussi, dis-toi. Bon, bah tu diras bonjour à Rowan de ma part. Putain, j'avais complètement oublié. Puis tu lui diras que tu as besoin de réconfort, célibataire moi aussi. Ouais, bon là on est sur son 4e suicide pour cause de séparation. Donc c'est son enterrement qu'on va préparer. Amusez-vous bien en tout cas. Et n'oubliez pas de lui passer mon numéro, hein. Ouais, bien sûr. À demain, camarade. Un, deux, test, c'est bon. Bonjour à tous. Comme vous le savez sûrement, Quentin et moi étions collègues et amis, enfin, surtout collègues, on s'est rencontrés au travail. C'est lui qui m'a appris toutes les ficelles du métier d'assistant d'éducation, enfin, pion, comme on dit. Mais bon, soyons honnêtes, c'était un meilleur ami que collègue. Ça me rappelle une petite anecdote. C'était un lundi matin d'hiver, janvier ou février. Il était 7h45 et pour la première fois de l'année, Quentin est arrivé à l'heure. Et puis, c'était un sacré personnage. Déjà, il était toujours habillé de la même façon, avec 2-3 tenues comme un personnage de dessin animé ou de manga. Et on pouvait discuter de tout avec Quentin. Bon, ça finissait souvent en bonne rigolade, il était jamais sérieux plus de 2 minutes. Et même ses derniers mots, c'était des conneries. Il voulait que je donne son numéro à une meuf qui venait de se faire plaquer, la même meuf qu'il l'a écrasé 2 secondes après. Je suis sûr qu'il aurait trouvé ça super drôle. Enfin bon, Quentin détestait tout ce qui est long discours, donc je vais m'arrêter là, j'ai déjà fait trop long. Mon pote, t'es parti trop tôt, mais vu ton sens de la ponctualité, ça aurait pas dû m'étonner. Donc j'espère que dans l'au-delà, t'apprendras enfin le bon goût musical, et puis adieu camarade. Alors, bonjour, moi c'est Titouan, et bah du coup comme Quentin il avait dit que si je faisais un rap, il allait sortir du cercueil, et bah vas-y je teste. Ouais. Yo, 1-1, Quentin le pion, t'étais pas le plus con, même si avec toi je faisais le con, tu sais bien que dans le fond, je t'aimais bien comme assistant d'éducation. Car non, t'étais pas qu'un pion de l'échiquier, en vrai t'étais plus doué que Timothée. Sans toi, ça va plus tourner rond, ouais. 1-1, Quentin le pion, malgré la musique que tu jouais, t'étais pas trop dur. Rapport au métal, t'as vu? Pas comme l'enflure de la commandanture, dédicace à mon poteau Arthur, deuxième rang à côté du mur. Bref, Quentin, t'étais pas qu'un pion, mais t'étais bon comme assistant d'éducation. Merci, mesdames et mesdemoiselles. Salut. Vous tous ici connaissiez Quentin, vous savez qu'il était bien entouré par sa famille, par ses collègues et les élèves du collège. Et c'est pour se souvenir de qui était Quentin que
que nous nous sommes rassemblés ici aujourd'hui. Vous savez tous, la grande passion qui animait Quentin était la musique. Ses amis ont tenu à lui rendre un hommage tout particulier. Bonjour à tous. Alors, comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous sommes ici réunis pour l'enterrement de Quentin, qui va beaucoup, beaucoup lui manquer. Et donc, je suis le remède des hommes. Je vous guéris. Je salue. Vas-y, c'est encore du petit coup. Pour la même chose de toute façon. Mais c'est pas la première fois que tu me fais le coup.